La Chine va permettre aux entreprises étrangères d'exercer dans davantage de domaines dans les zones franches. Selon une déclaration du Conseil des affaires d'État, celles-ci seront autorisées dans des domaines tels que la sidérurgie, les voyages à l'étranger pour les citoyens chinois, l'achat et la vente de grains et la production de motocycles dans les zones franches. Le gouvernement chinois va également adopter un système d'inscription pour les entreprises étrangères et les joint ventures, ainsi que les fusions et acquisitions importantes impliquant des entreprises étrangères. Le système d'approbation ancien avait été jugé chronophage et encombrant. La Chine possède à présent des zones franches à Shanghai, à Tianjin, à Guangzhou, ainsi que dans la province du Fujian.